Merci, frère Marc. Chers et frères bien-aimés, chers amis, nous voulons matin, à titre d'annonce additionnelle, informer tout le monde qui souligne, particulièrement nos frères et sœurs, ministère de la délivrance, que chaque deuxième sabbat, dans mois, chaque deuxième dimanche dans mois, excusez, nous gagnons une demi-journée de jeûne et de prière qui commençait 6 h du matin et qui finit à midi. Les gens qui participaient capables de témoigner que bon Dieu, au cours de ces heures de prière, lui fait de grands biens à ses enfants. Le même matin, ou invités, nous tous invités, depuis 6 h du matin, côté que nous faisons ensemble dévotion, nous étudions parole, bon Dieu, et que nous passons des moments en prière jusqu'à 12 h, bon Dieu a fait délivrance pendant période ça. Pour que j'en participe, écris-le demain matin, 6 h du matin, réveillé de très tôt, pour que je sois capable de passer de mes journées en prière. Et bon Dieu va richement bénir. Nous saluer fraternellement, et cela de manière polynienne, tous nos bien-aimés, tous nos frères et sœurs, joignent à nous matin pour ce culte d'adoration. Côté ensemble, nous venons célébrer le sabbat de l'Éternel, et je vous assure que moment qu'on passait là, n'est pas un moment vain, parce que bon Dieu, non seulement depuis le matin, permet qu'on soit capable d'en prier pour adorer, mais il y a un message particulier pour vous matin et pour moi tout, par qui que le choisit pour être capable d'envoyer message ça. Famille, famille qui présente matin, avant même que je commence à prêcher mon disclaimer, pour moi, doué, fait un spécial acknowledgement. Moun qu'on attend de yal, pas yon saint, si c'est yon sauve, yon pécheur que bon Dieu sauvé par grâce. Même gens peut-être en pile l'en ou capable d'identifier ou à cela. Et parce que bon Dieu fait grâce, parce que bon Dieu délivré, moins sûr et certain que bon Dieu capable de délivrer, yon moun kap cherche délivrance matin. Nous capable fait, yon petit moment pour capable prier et chercher la présence de Dieu, mais j'étais convaincu que bon Dieu une bénédiction spéciale pour vous. Et parce que bon Dieu bénit en pile dans nous pendant ce même temps, qui invitez moi-même avec vous pour que nous sommes capables de passer ce temps dans la louange et l'exaltation du Dieu éternel qui rachetait nous des ténèbres à son admirable lumière en allant volontairement à la croix pour que le remette ville. Le capable de sauver moi-même avec moi. Non, texte qui te lit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Cette lettre dont ils ont attribué à l'apôtre Paul l'auteurship permet de nous comprendre. Lorsque nous avons analysé ça, l'humanité entière est en rébellion contre Dieu. L'humanité entière is under the curse of sin. Cependant, bon bagaille qui passait, bon bagaille qui arrivait dans l'histoire de l'humanité, qui fait moins avec nous capables de camper matin et dit que nous sommes sauvés par grâce parce que dans l'état que nous déjoignons, pas rien que nous sommes capables de faire pour nous retirer comme la donne. L'épître aux Hébreux et aux Éphésiens, en fait, je dois me corriger parce que texte à qui que je prêtais l'apôtre Paul l'auteur-ci, il n'est pas
rempli condition de un épître tel que les théologiens définissent un épître. En fait, un épître, c'est une lettre qui est adressée à un monde ou à une communauté particulière. Nous capables de tenter de lire Éphésiens chapitre 1er au verset 1er pour nous dire et que cette lettre est adressée à l'église d'Éphèse. Au ma se voir quelques-uns d'entre vous ce matin, le mot que nous voyons dans l'épître aux Éphésiens, dans le premier verset, qui dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Et c'est ceci. Dans la langue originale, l'Al-Paladin, dans le premier écrit que nous joignons, dans le premier manuscrit que nous joignons et que nous traduit, ça que nous avons maintenant, canon biblique là, ça pas la donne, ça qui fait théologien, yo d'accord, vous dit que, puisque dans Actes des Apôtres, au chapitre 18, il dit que Paul passait 3 ans à Éphèse, à Éphèse, à travailler dans la communauté ça. Donc, Paul peut-être écrit cette lettre d'Éphèse, et de Éphèse étant, laisse ça te louer, lit dans presque toutes les églises pour que l'apôtre a travaillé et présenté l'évangile aux gentils. Et donc, bien-aimés frères et sœurs, cette lettre, loin d'être adressé aux chrétiens d'Éphèse, lui adresser à toute la communauté chrétienne, à toutes les communautés chrétiennes où Paul a travaillé, côté que des perdus, des païens qui n'ont pas d'espoir d'être sauvés, ils ont entendu parler de ce que Dieu a fait à travers le ministère de Paul et qui ont accepté Christ et Mounsayo qui recevoir gratuitement le salut que Dieu a offert. Dans cette lettre, bien-aimée, que nous sommes, pour origine, dans le chapitre 2, que nous sommes lits de verset 1 à 10, nous joignent que Paul qui partit de yon louange exultante à Dieu dans le premier verset. Paul passait à une description de horribles conditions que l'humanité joint ni la tente. Les conditions, ça n'a pas de l'autre bagage, que l'on confronté à la mort, à l'esclavage et à la condamnation, parce que l'on dit que nous tous nous sous condamnation du péché. En d'autres termes, nous devenus par nos péchés esclaves du péché. Et sans ça, c'est résultant influence omniprésente sens mal qui frappait moun sous plusieurs formes. Je vous lis les versets 1 à 3. La lettre aux Éphésiens dit au premier verset, vous étiez morts par vos offenses ou par vos péchés, dépendamment qui texte qu'on a lu, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous vous font-ils camper quand je parlais du prince du royaume de l'air dans verset 2, dans ce texte-là, qui exprimait influence maléfique sur lequel tout petit bon Dieu, par le péché de nos premiers parents, yo soumet yo à lui. Ou yo en bas influence. Paul décrit ici le diable comme étant le dirigeant à comble. Ce dirigeant ne s'agit pas de yon terme commun à dirigeant politique ou dirigeant qui normalement que la pointe dans le monde là, au dirigeant humain. Bien que la traduction c'est tant de la Bible que nous avons, il fait mention ou assimiler les dirigeants de la terre à ce terme. Cependant, bien-aimés frères et sœurs, à compte, ce n'est pas clairement terme qui définit au premier siècle
et dirigeant de la terre. Au contraire, il désignait plutôt puissance surnaturelle qui a dominé monde là parce que territoire stellaire. Et il par la suite caractérisé comme un esprit. Texte grec qui, dans le livre Daniel là, il traduit même pensé ça, il a utilisé aussi pour désigner les puissances angéliques. Le prince de Perse, le prince de Grec, les évangiles synoptiques en fait aussi mention et ils décrivent le diable comme étant le prince des démons. Sans oublier que l'évangile de Jean en fait aussi mention ou les qualifier par contre comme le prince du monde. Là, messieurs, chers frères bien-aimés, n'a vivre n'ayons air que nous capables de vivre sans embâge, que monde là en baillon influence qui va gagner à ouais avec bon Dieu. Comment moi avec que nous capables d'expliquer que des mondes qui créaient à l'image de Dieu, nous gagnons la caïne, nous gagnons dans plusieurs autres pays, nous gagnons dans plusieurs autres sociétés, capables d'arriver à une situation telle que il y a touillé monde, il y a lâché monde, il y a mangé monde sans que conscience yo pas dit yo que ça y a fait l'inacceptable. Ou capable de comprendre bien que c'est des mondes qui sont influents, presque des mondes qui ont mené le monde là après le péché. Et c'est quelque chose que nous choisissons. Parce que nos premiers parents, Adam et Ève, quand ils étaient en Éden, ils avaient le choix de se soumettre à la volonté ou à la parole de Dieu, ou de choisir de marcher sous l'influence du diable. Éphèse, l'air, était largement décrit comme demeure des mauvais esprits dans l'Antiquité. En fait, où je viens, il y a un papyrus qui écrit « Protégez-moi de tout démon dans les airs », un texte juif du 1er siècle illustrait également cette croyance. Car celui qui craint Dieu et aime son prochain ne peut être tourmenté par l'esprit aérien de Béliard. Dans mime, moun qui a marché sous influence, mon Dieu, il y a un bagage que le pata fait. Moun qui a marché par l'esprit, il y a un côté le pata aller. Moun qui a marché par l'esprit, il y a un bagage que le pata capable de mémoriser penser avec. Comment un chrétien est capable de faire penser au mal? Au point que Voltaire voulait ou rivait détruire son prochain. Ceux qui en font ce genre de choses, c'est des mouns qui dominaient par le prince des démons. Imaginez, bien-aimés, que nos puissances de la terre voulant élargir son territoire. Parce qu'il y a une armée qui est beaucoup plus puissante que l'autre, les débarquer avec l'armée, les détruit des milliers, des milliers, des milliers de monde, les détruit des milliers, des milliers, des milliers d'espace physique côté mon habité, et ça pas dit rien, il a continué jusqu'à ce qu'il arrive au but. C'est témoignage dans le matin hein, que moi-même avec vous, la vivre là-dedans, lui dominé par le diable. Même vini matin pour me dire que ça ne sera pas la réalité à venir. Parce que la Bible nous dit que encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et quand lui vini, lui va permettre que atrocité que mon saillot a subi, il va permettre que pratique que moi-même avec vous n'a subi en bas influence presse des démons, bon Dieu va mettre un terme là-dedans parce que il fera nous dire la pauvre Jean 12, 9. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sœurs et frères, la vie dans le monde côté, la crainte de Dieu l'y absente. Et parce que la crainte de Dieu l'y absente,
Moun qui pas gen la crainte de Dieu, capable de faire n'importe bagay. Moun qui pas gen la crainte de Dieu, capable de dire n'importe bagay. Moun qui pas gen la crainte de Dieu, capable de faire de corps yo, ça que yo vle. Moun qui pas gen la crainte de Dieu, ta manger, ça yo vle. Mais ceux qui sont sous l'influence de l'Esprit de Dieu, comprennent que leur corps est le temple de Dieu. Yo pas qu'à mettre n'importe bagay là-dedans. Yo comprennent que bouchio, célébrer et exalter le Dieu éternel, il n'y a pas qu'à rentrer des portes bagailles là-dedans. Ils comprennent aussi. Et ils sont appelés à être des enfants de justice qui promulguaient et présentaient Dieu au monde comme étant le Dieu de justice. On va oublier matin hein, que dans l'église adventiste, dans le premier sabbat, dans moi, tabac d'évangélisation, monde qui sous influence de l'esprit, comprendre que pas qu'à passer une semaine sans dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt, parce que nous sommes appelés par Christ, sauvés par lui, à partir de ça mon Dieu fait à travers Christ, pour que nous sommes capables d'annoncer la lumière. Pour que nous sommes capables de représenter le sel, la lumière dans un monde qui, sous l'influence du prince des ténèbres. C'est ma frère, jamais matin, l'indéniable que Dieu, par Jésus, amène les croyants dans une relation avec lui-même à travers le Christ. Il a miséricordieusement créer un plan pour lequel les gens peuvent participer aux événements de la croix, la mort de Jésus. Non explicitement. Exhiber ça. Résurrection de la mort et son ascension ou même son exaltation. Jean que nous lisons dans Romains chapitre 6, versets 4 à 8, exprimé à travers l'écrit de l'apôtre Paul que l'œuvre de Christ, grand témoignage de l'amour de Dieu manifesté dans le sacrifice de la croix. Bon Dieu, à terre, ce matin, moi, à travers les églises du monde entier, la prêler des hommes et des femmes pour que yo comprennent que yo pas même avec tout le reste monde. En fait, nous l'aimons Jean Li. Apôtre Paul présentait le livre Ephésia, non version anglaise. Il dit, as for you, you are dead in your transgression. Donc nous-mêmes avec vous, nous avons un passé. Nous avons quelque chose sur lequel nous sommes capables d'appuyer pour que nous rappelions qui est pour que nous y sommes. Nous sommes appelés des ténèbres à l'admirable lumière pour que nous capables y ont lumière pour les autres. Comment que nous capables des enfants de lumière bien-aimés? Et la vie nous pas montrer l'option qui dit pas gagner mon Dieu que nous sommes des enfants de lumière. Nous marchons comme les autres. Nous vivons comme les autres. Nous parlons comme les autres. En d'autres termes, quand ils voient nous, ils ne voient pas Jésus crucifié dans notre vie et ils n'ont pas fait ça de l'évangile que nous avons à partager avec. Avantage que moi-même, avec un rien, il fondait sur l'entrée dans une relation de solidarité avec Christ. Car quel que soit passé, quel qu'a été notre passé, il a dit que si nous sommes en Christ, 1 Corinthiens chapitre 7,
5 au verset 17. Nous gagnons possibilité pour devenir le monde connaître. On t'obtient des témoignages, ce frère. Qui c'est qu'on a couillé? Qui c'est qu'on a crasé? Qui c'est qu'on a mangé? Moun. Mais lorsque lui accepte Jésus, Jésus fait de lui non un ancien malfaiteur, mais un étudiant de la Bible qui se prépare pour partager l'évangile avec l'humanité. Oh, c'est vrai, Jomim. Des moun qui a toujours songé comme un ancien criminel, mais dans le livre ciel-là, lui écrit sauvé. Et souvent, moi, nous avons oublié où l'Éternel nous a ramassé. Pour pas qu'être nous l'aurions l'église, c'est comme s'ils avaient été toujours des saints. Bien-aimés, guérons-nous, nous t'es sénénés. Guérons-nous, bien-aimés, nous t'es prostitués. Et m'a parlé de prostituer, ni capable spirituel, mais capable de tout clair du terme. Guérons-nous, Seigneur. Bien-aimés, l'homme nous t'es sale. Guérons-nous, bien-aimés. Bon Dieu, lavez-nous, nettoyez-nous. Dans la boue côté nous déjà. Et mettez-nous parmi les gens qui sauvés. Et il dit, il fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. How can we forget that? How can we forget where God has led us, where Jesus has led us in the past? Oh, I was not always a preacher of the word. I was once just like many other young men, doing as I pleased, living as if there were no God. But when the Lord pleases to open my eyes through his word, I understand the sacrifice that Jesus has conceived for me on the cross. Oh, I rejoice. But just like this criminal, I could have been in the street doing what they are doing. I remember that I am saved by grace. I am more than determined to go out and share God's grace with those whom God blessed around me. This is why, ladies and gentlemen, I understand. When a young man falls, when a young lady fell, when Christians fell, we are humans. We are living in a world which is guided and led by the prince of evil. But very soon, the owner of this world will reclaim it. Oh, bientôt, bien-aimé. Le propriétaire de la terre réclamera cette terre et il en fera, au dire de la pauvre Jean, une terre nouvelle. Peut-être pas de maladie, peut-être pas de mort, peut-être pas de kidnapping et faire ça, moi avec vous. Nous sommes les héritiers parce que le texte a dit qu'après avoir vécu 1000 ans avec Dieu dans le ciel, nous reviendrons sur la terre restaurée pour que nous puissions vivre. On le dit. Selon le dire de l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 22. Un boyau, elle servit pour médicaments contre maladie, en sorte que pas de maladie, avant même maladie, elle a déclaré, à bien temps, il y a une feuille bois pour éradiquer. Les hommes matins, moi, il me dit au bar le truchement de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 4 au verset 3. I am reading from the NIV version. All of us also lived among them at one time. And to understand that, you must go back to the verse 2 where he says, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. En d'autres termes, nous étions des fils de la rébellion. L'homme a marché selon les convoitises de la chair. Yo, c'est des fils et des filles de la rébellion. Mais ces bagailles qui passaient, elle a lui-même, elle a understood what Paul says when he means, as for you, I was a former liar. I was an ex-convict. I was an ex-adulterer. I was, but I am no longer. The blood of Christ has washed away all these sins. And now I realize that there is nothing I could do to save myself. I
stand here this morning to say that I am saved by grace. Ou même dans mes mains. Peut-être ou pas fait expérience ça yo. Si même j'en avais, ou t'es fait des expériences qui vont comprendre que pour qu'on t'en sorti là, ou pas qu'à tourner là encore, ou à dire ensemble avec moi, parce que me sauver ma grâce, maintenant me déterminer pour qu'on soit capable de rester dans la grâce et propager la grâce afin que les autres sachent. Il y a dans le ciel un Dieu qui n'en business pendant la paléa à sauver le monde par grâce. Les frères bien-aimés, chers amis, matin, ce texte m'interpelle. Interpelle pour plusieurs raisons. Interpelle parce qu'il y a que qu'en tant que yon monde qui sait qu'on vive, tout l'influence du péché et qui était en rébellion contre Dieu, mon Dieu a pas mis une chance pour me capable de participer avec lui dans la propagation du salut. Ben lit Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3, nous voyons que l'état naturel de tous les êtres humains est une sorte de mort spirituelle. Cette condition spirituelle est universelle. Les gentils, dans verset 2, les juifs, dans verset 3, sont par nature des enfants de colère. Dans verset 3, il dit, sur la vision de Paul, sur la nature. C'est un bagage que nous n'avons pas qu'à changer de par propre force mal. Et cette rébellion, dans des frères bien-aimés, l'y active. C'est bagage que chaque jour, n'a pas congé la donne. Rébellion, ça, seul après-midi, c'est un bagage qui est propulsé par le prince des démons. Peu à ce que les enfants de Dieu abandonnent la foi. Parce que l'itinéraire là, l'icône s'accaptant le monde, que mon Dieu dit, par bruchement serviteur, dit, que bagaille mon Dieu serré dans, pour nous dans le ciel là, c'est bagaille qui peut pas jamais monter dans l'esprit humain. L'icône s'accaptant nous, et parce que l'icône s'accaptant nous, là c'est tout ça qui dépend de lui. Pour le ravir au nom de, ça, de cela. Carrément, madame, messieurs, parce que l'humanité est en rébellion contre Dieu, l'y exposer à la juste colère de Dieu. Verset 3, dans le texte-là, dans Éphésiens chapitre 2, dit nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, du grand amour dont il est aimé, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, mon Dieu est déclaré, bien-aimé, dans Romains chapitre 1er. Et je dis pour vous, dans Romains chapitre 1er, au verset 18 et 20, et que pas gagné à lutte, monde qui vivre en bas rébellion, dans rébellion contre mon Dieu. Romains chapitre 1er. Le Seigneur déclare, et je cite, au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. En d'autres termes, parce que l'humanité est en rébellion contre Dieu, parce qu'il y a des mondes qui relèvent les chrétiens et qui fait l'autre monde à parler mon Dieu mal. Donc, naturellement exposé à la justice de Dieu. Parce qu'il est dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la
à sa vérité cative. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme l'œil, la création du monde. Bien-aimés, les deux mondes là, nous ne sommes pas capables de mentir. Nous ne sommes pas capables de Dieu mentir. Nous ne sommes pas capables de Satan mentir. Tous deux qu'on est. Souvent, nous vivons dans un formalisme de piété. Pendant que nous en bas influence des forces du mal. Cependant, ce que Dieu attend des hommes, ce n'est pas une forme de piété. Ce n'est pas une piété externe. C'est une piété interne qui est caractérisée par l'amour de Dieu et l'amour des autres et qui fait que nous vivons conformément à la parole de Dieu. Que moun là, que moun pas là. Que moun wen, que moun pas wen. Quel que soit côté niéa, lorsque nous vivons, nous ne pas tenu compte de ce que vont dire les hommes au paquet de monde. Ils ont peur, conséquence péché, mais ils n'ont pas peur péché. Quand même, l'aiguillon de la mort, on dit Paul, c'est le péché. Cependant, à moun qui acceptait Jésus, qui reflète dans cette relation intime avec lui, bon Dieu baillot le pouvoir pour marcher sous toute la puissance de l'ennemi, la puissance ennemie en ses péchés, en votre cas, nous avons une capacité pour remporter la victoire sur le péché. Et une fois, ayant remporté la victoire sur le péché, comme Jésus, amen. Oh, nous gagnons possibilité pour que nous soyons capables expérimenter la résurrection. Il y a possibilité pour que nous capables, même Jean avec Jésus, ayant remporté la victoire sur le péché, a été enseveli, mais il est ressuscité le troisième jour et il a été exalté et glorifié par son Père, ceux qui restent attachés à la parole, ceux qui mangent selon la parole de Dieu et qui acceptent ce que Dieu leur offre, le salut par grâce et qui restent dans cette grâce. Tant qu'au Jésus, ils ressusciteront, ils remporteront la victoire sur la mort. Même Jean avec Jésus, ils seront glorifiés. Et même Jean avec Jésus, ils seront du nombre de ceux qui assisteront avec Christ autour de la table pour juger les anges, pour juger les condamnés. Oh, Seigneur, c'est avec ton cœur réellement transformé, ton cœur débordant de joie, que ma contempler le jour où Christ paraîtra dans sa gloire. Tout le dit à tous les Israélites, et à vous en particulier. Parce que vous avez enduré avec moi la nudité, la faim, l'incompréhension. Parce que vous avez gardé la foi maintenant. Avec moi à la table de justice où les impies seront jugés. Et ne pas attendre moins de ça pour le purpose of boasting. Mais ils n'ont pas quelque monde qui pas croit dans la justification par la foi. Ils n'ont pas quelque monde qui pas croit dans la justice de Dieu. Ils n'ont pas capable d'attendre côté que cette scène capable de montrer réellement que bon Dieu, c'est un Dieu de justice. Il y a pile monde qui ouais n'a souffri qu'a demandé côté bon Dieu nous. Il y a pile monde qui ouais n'a prié oh nous gain problème. Il y a pile monde qui ouais que nous a vivre parfois pieusement avec bon Dieu. Oh bagaille pas marché pour nous mais rien que l'apôtre nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés mais le monde pas capable de comprendre ça jusqu'à la table du jugement pour ouais que il y a des monde qui comprennent qui t'a sauvé qui
pas du nombre des sauvés, des estropiés, des sans-abri, des hommes et des femmes qui ont enduré, comme l'apôtre Paul, la faim, la nudité, qui ont enduré la misère que mon sang vous offrit, c'est pour recevoir en ce jour, entre les mains du Dieu éternel, la couronne de gloire et d'immortalité. I cannot wait that day. Samedi matin, I have come to the conclusion que le monde n'est pas capable de comprendre. Si ça empile dans nous, on accepter pour endurer ce que nous avons enduré jusqu'à ce que la gloire de Dieu au visage nous, comme mon Dieu a fait appel des saints. Moi, je comprends. Je n'ai pas gagné rien, même Jean-Paul Ville, qui est capable de séparer l'amour de Dieu. Parce que si Jésus, mon Dieu capable de bailler, Jésus seul petit fils, comme rançon péché avec vous, rien que mon Dieu n'a pas fait pour moi avec. Et puisque mon Dieu n'a pas rien fait ou pas fait pour moi avec, besoin de camper sur ses promesses. On dit, puisque mon Dieu a fait ça pour nous, on a suivi Jésus de partout côté de la vie. Non, verset 9, texte, la Paul dit, pas de rien que moi-même avais on nous fait pour nous recevoir l'amour, ça, pour nous recevoir cette grâce. Mais Mathieu me dit, bien que pas de rien nous a fait pour nous recevoir, lui. Cette grâce est notre seulement si nous acceptons recevoir et chérir. Je parlais à un pasteur protestant hier, dit que bon Dieu est tellement bon. Depuis le film bail, il y a un salut et que mon nom vient prendre. Pas de rien qu'à retirer le nom. Moi, je dis ça, pas biblique. C'est vrai, on pas de rien qu'à faire pour sauver. Mais lorsqu'il nous recevoir la grâce de Dieu, oh, j'en peux. Dis-nous que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, lui enseignez-nous pour qu'on soit capable de courir pour qu'on voit ce monde-là. Lui enseignez-nous pour qu'on soit capable de vivre de manière telle que la vie nous, capable de faire notre monde, témoigner de la grandeur de Dieu. En d'autres termes, même si nous recevons de la star, nous pas capables de parler même gens. Nous ne sommes pas capables de manger, je ne sais qu'on manger encore. Nous ne sommes pas capables d'aller côté, nous ne sais qu'on aller encore. Parce que la grâce de Dieu, lui enseignez-nous pour nous vivre autrement que l'être vivre en bas. Voici ce monde-là. Pour l'évangile sauvé, une fois sauvé, tout sauvé, pas terminé, dit au bien-aimé. L'évangile, ça, anathème. Lors sauvé, c'est bagaille qu'on doit faire pour être dans le salut. Pas qu'à sauver, ou t'es qu'on volait, on continue à voler. Pas qu'à sauver, ou t'es qu'on fait adultère, on continue à faire adultère. Ou pas qu'à sauver, ou t'es qu'on parle moun mal, ou continuer à parler moun mal. Ou pas qu'à sauver, ou t'es qu'on raille moun, pour continuer à guérir nos cœurs. Ou pas, ne saluer encore, à partir du moment que vivent les mêmes gens, côté bon Dieu t'es prend, c'est vrai. On progression, la sanctification. On pas qu'à chrétien. Après 20 ans, autorité, c'est l'or toujours. Mais pas côté m'de, c'est vrai. Pourquoi côté m'de, c'est vrai. Mais côté bon Dieu sorti avec moi, pour m'arriver côté m'de, je suis capable de témoigner. Oh, la grâce de Dieu. Transformative. Parce que c'est qu'on me bat les mounes mal trois fois par jour. On y a son seul fois me bat les mounes mal. C'est qu'on a marché en série de côtés. Peut-être qu'on y a son seul côté balé. C'est capable qu'on fait bagage que bon Dieu va approuver. Ils ont commencé à diminuer dans la vie, mais en sorte que chaque jour,
Jean-Paul dit, nous qui contemplons la grâce de Dieu, nous sommes transformés de grâce en grâce jusqu'à ce que nous sommes capables de venir. Monde que le Seigneur voulait, pour que son Christ paraît en gloire, lui, qui est capable d'introduire nous dans son royaume de gloire et de félicité. Sauvé par grâce, oui. La grâce de Dieu nous appelle à vivre loin des convoitises de la chair, sachant que notre Dieu est fidèle et capable de faire pour nous au-delà de nos espérances et mérites. Dans le matin, quand je m'ai réfléchi sur Texas, j'ai réalisé que pas gagné monde qui a vive la foi chrétienne, qui exempt de tragédie, ou qu'à sous-route leur frapper, ou qu'à sous-route leur tomber. C'est pour question de tomber ou de pas tomber, mais c'est qui s'en fait leur tomber. Le juste vivra par la foi. Donc, où gagner la foi que leur tomber, qu'on est capable de lever, mais on dit Seigneur, homme sous route, l'âme brave et bien, bon mieux chance pour me relever, pour me capable de mettre si près la croix. Attends, rappelez, une histoire vraie, une expérience vraie, que une famille fait. Il y a de cela plus de siècle. Le nom de cette famille, c'est Spafford. Et le père, c'était un avocat, un brillant économiste, c'était un brillant homme d'affaires, nom d'Horatio G. Spafford. Spafford, c'est dans Chicago, c'est en pile comme un business. Spafford, c'est 5 petites, 4 filles, un garçon, c'était garçon en dernier. Mais Spafford, c'était un homme qui craignait Dieu. Quand Dieu t'est béni avec un pile, bien. Malgré que Spafford t'a glorifié Dieu dans la ville, il t'a exempt de tragédie. Seul petit garçon que t'es gagné en qui fait des dernières, en 1871, il mourit soudainement avec une pneumonie. Et dans la même année, l'histoire révélée, il y a un gros du feu passé à Chicago, détruit tout ça, pas pour te gagner. Ça va ébranler, il était continué, fait bon Dieu confiance. Et éventuellement, bon Dieu, renouveler ses fortunes parce que business était venu reprendre coup. Mais ça va pas arrêter là. Il va servir bon Dieu, amis. Ennemi, on va éviter n'importe occasion. Pour le frapper avec tragédie. Alors ce que le business est parfois de reprendre, les planifier pour la fonte des vacances en Europe avec madame nous, avec petite. Et la veille du voyage, une situation, un problème qui arrivait dans le business, là, qui demandait à ce que Epaphod, pas voyager, dans le jour que le tape voyager, lui obligé d'arrêter pour quelques jours pour le capable de résoudre le problème ça. Et Spafford qui pas de décevoir famille, dit madame ni avec 4 filles, yo capable d'aller la rejoindre 3 jours après. Alors que ce grand bateau, connu sous le nom de Ville du Havre, c'était une croisière française. C'était l'homme qui partir de New York pour que lui capable arriver en Europe pendant qu'il a traversé l'océan Atlantique. La ville du Havre tapait avec un bateau anglais qui c'était un gros morceau bout de fête. Pendant bateau a frappé, puisque la ville du Havre n'a pas aussi
fort que ce bateau anglais qui était complètement en fer. Bateau a commencé à effondrer. Madame Pafog montée à quatre petites lios. Quel bateau en l'air net. Et ils mettent à genoux, ils commencent à prier. Ils disent, Seigneur, nous connaissons capables de livrer nos situations que nous y a. Toutefois que ces volontés ont fait 12 minutes après. La ville du Havre est fondrée. Piba, descend Piba. Abeille parfois, et parfois, pas qu'à faire un lien pour quatre petites lios. Petite fille, yo, que tout périt, mourit d'accident ça. Par la faveur de Dieu, bateau de sauvetage qui a passé, bateau a peut fin couler. Madame Spafa a été sous tête qu'un bateau a, bout la guette arrivée en bas, yo rescue et yo ramené lui. Et pendant Madame Spafford rivé côté le bralea, il veut un télégramme by Marine et dire saved. Allons. Sauvé seul. Car mon Dieu bénit la famille Spafford avec notre Timon. Et Spafford décidé pour qu'elle est capable de faire un retour. Pour le prendre même route, côté petit lioté, mourir. Pendant le bateau a passé dans la même zone, ça. Capitaine bateau a dit, mais qui côté? Ville du Havre, fait naufrage là. Parfois, glorifiant Dieu en ce jour, Rivet a écrit texte que moi-même avec coup que nous chantons et que qui n'en livre de chant que nous chantons. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billow rolls, whatever my lot, though ask thou me to say, it is well. It is well with my soul. Je crois que la version française, c'est quel repos céleste. Jésus d'être à toi. À toi pour la mort et pour la vie. Il est même mis que monde que Jésus sauvé par grâce. Yo a Jésus pour la mort et pour la vie. Il y a monde que mon Dieu sauvé par grâce. Car bonhomme yo pour yon mot sans manger. Il y a monde que bonhomme yo. Pour y aller travail, nous pas à l'éternel là. Il y a moun kat bon nom yo pour yon travail. Il y a moun kat bon nom yo pour une suite. Alors que nous avons ce grand Dieu qui est capable de multiplier faveur envers nous jour après jour. Ma fille Mindio, nous sauver par grâce. Pour annoncer au monde les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous pas bien noir bon nom nous. Je le dis dans le créole là, si on beuf, c'est qu'on valeur. Il va t'acquitter au petit code pit 5 code benen. We are a people saved by grace to tell others what the Lord has done for us through his son Jesus, and there is no other name on earth and in heaven that men could have been saved. I am saved by grace. I am no longer the same. Impossible grand pile nous. Souligne en matin, qui réalise et comprenne que nous sommes sauvés par grâce et nous avons un message à annoncer. Pardon et disons aux autres que notre Seigneur revient bientôt, la vini avec jugement en main. Un groupe monde et justice dans l'autre main pour l'autre groupe. Passez en domaine dans qui groupe qu'on t'a remédié. Ou me choisis, ou me pas si là, que la venue de Jésus à représenter la justice pour yo, parce que yo te vive dans un pays côté yo te
bah yo tout sort dedans. Yo pas de droit à rien. Yo pas capable de travailler. Yo pas capable de vivre comme moun. Yo relé yo bot people. Yo relé yo son. Ça brille. Et enfin histoire là. Yo tendez. Yo moui ka sot en ciel la kap di. Fini. Bon et fidèle serviteur. Ou même qui est fidèle en peu de choses. Venez prendre la possession du royaume qui vous avait été préparé dès avant la fondation du monde. Car l'autre, il va dire, mettez-vous dehors, chien, je ne vous ai jamais connu. Je parle pour vous, famille, pour moi et pour famille femme. Que dans ma tête, ça, ou dans soir, ça, ou dans n'importe quelle privée, nous sommes capables du côté de cela à qui que le Seigneur est capable de réler bon et fidèle servante, bon et fidèle serviteur. Une grande possession royaume-là, qui était préparée pour vous-même, dès avant la fondation du monde. Pendant que nous avons quitté l'INSA, moi, je voulais que vous alliez avec cette réflexion, que vous sauvez par grâce, vous capable, dans les yeux l'autre, il y a un agent de grâce. Bon Dieu béni, vous capable, il y a une bénédiction pour l'autre. Bon Dieu, voulez utiliser vous, même gens que vous avez utilisé. Les apôtres d'avant, même gens qui ont utilisé les prophètes du temps passé pour capable annoncer au monde que Dieu vient et sa justice l'accompagne, que vous capable cacher en bas la croix, que capable de le salut, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Notre Père, et notre Dieu, nous voulons te glorifier ce matin pour le ministère de la parole. Merci pour ce que pécheur que nous y est, tu nous rappelles par le truchement de ton serviteur Paul, que nous sommes sauvés par grâce. There are seven parties in the conference. This call is being recorded. Et que cela ne vient pas de nous. C'est un don gratuit de Dieu. Et ce don est investi en nous comme signe de notre appartenance à la famille du ciel. Et nous sommes appelés à partager cet amour avec le reste du monde. Nous sommes appelés à aller leur dire que Dieu revient bientôt avec lui son jugement. Alors que l'humanité avance à grands pas vers sa fin, les hommes et les femmes du monde ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Ils ont besoin d'entrer dans cette alliance avec le ciel pour que quand bon Dieu a jugé criminel, même yo pas participé dans le jugement ça, mais plutôt que ce jugement capable pour yo quelque chose de favorable parce que bon Dieu va porter pour yo dans le jugement ça, justice. Ou souffrance sous la terre. À nous qui t'étendons des paroles par matin, ça prendait une double portion de ton esprit pour que même gens avec les péréniens, non seulement nous scrutent ces paroles-là, mais nous capables de cacher le cœur, nous, afin de ne pas pécher contre volonté. Père, bénis chaque petit tout en quelques lieux que vous capable y être, dans le moment où tu t'étendons voir parler à cœur. Et acceptez, ô notre Dieu, comment ça, crie cœur chacun de nous, acceptez confession personnelle que nous fait dans le moment ça. Permet que Dieu nous capable l'ouvrir sous tant que nous vivons là et nous capable dire que c'est que mon Rédempteur est vivant et qu'il vient bientôt. Père, alors que nous prenons laisser l'INSA, nous sommes sous montagne là avec vous, nous prenons descendre dans la vallée, nous assurer que l'ennemi n'a pas quitté aller sans qu'elle ne pas continuer à attaquer nous pendant semaine. Non. Nous assurer aussi que la présence de Dieu sera à nos côtés et que bon Dieu va protéger chaque petit flic sous l'INSA. Il va garder cœur nous. Gardez-nous intact.
Elle va permettre que Dieu nous rete rivé sous lit. Pour que quel que soit ça qui passe dans ce maintenant, capable de dire, notre Dieu, il y a contrôle bataille. Ça écrit cœur nous. Bénis chaque monde qui m'a fait en participation dans ce ça. Bénis chaque petit tout qui était auditeur sous l'un silencieux au monde qui t'a réfléchi. Bénis-yo. Réservez-yo pour que ensemble vendredi soir, nous capables de l'ouvrir ça bas. Oh, demain, si Dieu veut, matin, nous capables ensemble pour nous la prier. Et retourner sabbat prochain pour nous continuer course, nous, jusqu'à ce que nous rencontrions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, entends nos cris, pardonne nos péchés et dirige-nous, car nous te réclamons ces grâces par Jésus, notre divin Sauveur. Amen.